Kevin Escrime comme candidat à la présidence. Comme ancien ministre, il y a un certificat de décharge. Moi, j'ai un document qui autorise inscrit. Donc, qui document est son jugement tribunal. Pardon? Comme ancien ministre intérieur. Je ne parle pas des questions. Vous parlez de jugement. Moi, je réponds déjà. Moi, j'ai un jugement tribunal. Qu'est-ce que ça, jugement dit? Jugement ordonné CEP recevoir sans certificat. Qui tribunal? Qui tribunal? Qui programme? Tribunal civil. Ok, merci. Ceux qui parlent sont inscrits. Moi, j'ai une déclaration pour me faire. Pour me dire, peuple, que candidat là, inscrit, bataille la pape fait sans nous. Nous là sur MEKSEPA, M-E-K-S-E-P-A, qui veut dire Mouvement pour indépendance culturelle, sociale, économique et politique en Haïti. Numéro 64. Définitivement, tout Haïtien nous voit que le pays est en danger. Et les pays en danger, tout citoyen supposé volontaire pour changer ça. Et nous-mêmes, en tant que citoyens pays, respectueux de la Constitution, et constitution remplit nos droits et devoirs. Et c'est devoir ça qu'il n'a pas accompli aujourd'hui pour nous venir volontaires, pour nous aider avec nous tous qui là, tout le peuple haïtien, pour nous changer le pays d'Haïti pour le meilleur. Qui est le principal point dans le programme? Qui sont comptés abordés comme priorité? Priorité, c'est la liberté. Et là, nous parlons d'indépendance. Nous parlons d'indépendance culturelle, indépendance sociale, indépendance économique et indépendance politique. Nous sommes ancêtres, nous avons quitté un pays pour nous. Nous avons retiré nous dans l'esclavage physique. Là. Mais mentalement, nous sommes toujours dans l'esclavage. Parce que tout ça, nous besoin, c'est faire pour nous faire pour nous. Bon, moi-même, je suis un militant politique de vieille date qui a boumé assez longtemps pour un changement dans le pays. Et nous rendons compte, au lieu que le pays a changé, le pays a été dégradé. Nous avons l'État qui fait faillite. Nous avons un pays côté majorité monde dans grand goût. Et pour une équipe dirigeante qui fait de le mensonge en forme de politique et qui a gaspillé l'argent de l'État. Mais j'ai ambition pour me transformer l'État faillissant en l'État fort qui pour défendre l'intérêt pays, qui pour développer pays. On l'État fort. Chita sous trois grandes priorités. Première priorité, c'est ou pas capable on l'état fort pour pas les citoyens manger. Donc priorité nous prend la production nationale avec un allant particulier sur la relance agricole. Parce que nous pas capable de dire, c'est mon exemple bien simple. Pendant que pays a d'après du riz par exemple, a consommé plus que 420 000 tonnes de riz par année. Mais nous produisons seulement 120 000 tonnes. Pourquoi nous ça? Parce que nous avons 90 000 hectares de terre qui sont irrigués dans le pays dans le temps. Côté cyclone, détruit système, aujourd'hui, c'est 40 000 tonnes seulement qui irriguent. En quantité qui pipiti, parce que quand passe quantité de terre qui est irriguée en Haïti pendant la colonie, côté nous avons moins que 500 000 personnes pour nous manger. Donc aujourd'hui, nous avons 11 millions de bouches pour nous manger. Nous avons seulement 40 000 tonnes de terre irriguée. Moi, je suis intéressé à un président pays parce que je veux mettre mon service population haïtienne. Et après, je suis 58 ans et depuis ma vie. Et depuis que je fais, c'est Haïti qui nourrit, c'est l'équipe en soin. Je estime que je suis accumulé un certain nombre d'expériences qui ont servi le pays. Et je regarde les problèmes que le pays a traversé. La participation PAM en dans la politique pays est très importante pour aider les peuples haïtiens à se soutenir dans sa lia. Et d'ailleurs, nous avons trois plus gros régimes qui passent dans le pays. C'est le régime Duvalier, le régime Lavalas, le régime Tête-Calé. Et chaque régime, ça a eu, il y a qui fait des difficultés, c'est parce qu'il a penché en bas. L'eau Lavalas, il pense en Lavalas, l'eau Duvalieris, il pense en Duvalieris, l'eau Tête-Calé, il pense en bas Tête-Calé. Et je dis à nous besoin un régime qui unit les Haïtiens. Et ça fait nous-mêmes, nous, les groupements politiques, nous avons unis pour l'analyse d'Haïti. Qui est haïtien à Lavalas, qui est tête calée, qui est divalé, lycée haïtien. Et il y a c'est pour quel que soit côté haïtien, il joue le manger pour le manger, il joue une caille pour l'été, il joue la santé, il joue une sécurité, il joue un job pour le prendre sur la famille. Et circuler libre dans le pays, doit y avoir la liberté respectée.
Décision ça. Décision ça. C'est la première question. Monsieur, posez une question à la fois, s'il vous plaît. Conviction renforcée. Pour nous faire ça, nous devons nous faire en 2010 là. Renforcée pour nous mettre femmes et garçons dans le travail. Pour nous mettre cop dans la poche. Et c'est eux-mêmes tout la priorité. Nous. Pour nous mettre cop dans la poche. Parce que nous allons mettre dans le travail. Conviction pour nous bailler un autre élan à l'éducation. Pour l'éducation, pas arrêter seulement au niveau scolaire et universitaire, mais pour nous mettre en phase sous formation professionnelle. C'est extrêmement important parce que nous avons un problème de cadre intermédiaire. Un pays pas développé sans cadre intermédiaire. Donc nous insister pour nous aller vers la formation professionnelle. Conviction pour nous mettre en Haïti une vraie dynamique de production nationale. Ça veut dire agriculture avec paysans. Yo en pile. Ça veut dire pour nous faire ça y aurait une mise en valeur de la culture haïtienne. Mise en valeur, c'est artisanat, c'est tout ça que Haïti a vendu comme produit. Nous, sa conviction, ça que nous rentrons. Nous venons tout avec conviction pour le peuple à joindre justice. Li. Justice pour votre que le bail là. Parce que ce n'est pas ton leader seulement qui te bail là. Votre là, c'est une l'idée que le bail votre là. Bay tout secteur ça pour dire que jodi a jeune yo mandé place dans direction pays ça pour capable assurer changement nécessaire là. Changement c'est demain, c'est pas jodi a, c'est un changement qu'a fait dans 20-25 ans et c'est seul jeune haïtien yo avec évidemment accompagnement et encadrement monde qui plus expérimenté qui cap porter changement ça, changement vers la modernité. Mais ça qui motive m motivation, c'est ouais que mon pays qui réconcilie avec tête li et que nous haïtiens nous réconcilier entre nous-mêmes pour nous suspendre justement exposer nous à ingérence étrangère la caille pour nous reprendre droit grand monde nous droit d'indépendance nous et de souveraineté nous comme nation. C'est le seulement n'a fait réconciliation politique qui est nécessaire en Haïti, c'est le seulement n'a fait union qui est nécessaire pour nous capables rejoindre fierté d'être haïtienne. Les grandes lignes du programme politique, c'est d'abord la réconciliation. Car rien n'est pas capable de réaliser dans le pays d'Haïti si les Haïtiens ne sont pas réconciliés entre eux-mêmes et si nous ne mettons pas tête nous ensemble pour nous faire pour nous unir. C'est pour ça que le parti que je représente dans le cours ça, il est unir l'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Parce que nous croyons d'abord que c'est dans l'union que nous sommes capables de joindre toutes solution à problème pays à poser. Nous candidats pour poste président. Nous pas d'accord. Nous pas accepter continuer vivre dans un pays côté un petit point monde, il y a toute richesse pays à namel. Et puis on l'autre côté majorité population hein, dans quartier populaire yo, dans section communale yo, yo pauvre, yo dans misère, yo dans grand coup. Bataille pour pouvoir, bataille pour prendre pouvoir, pour changer condition la vie peuple là, commencer jodi a même. Moi mandé candidat plateforme justice dans tout pays a. Moi mandé militant plateforme justice dans tout pays a. Je demande aux jeunes, aux policiers, aux machins papa d'ap, aux petits machins, aux chauffeurs motocyclettes, aux professeurs l'école, aux agents sécurité, je demande aux femmes, je demande aux paysans, mobiliser dans quatre coins du pays d'Haïti pour nous prendre pouvoir, pour nous changer condition de la vie du peuple. Depuis que je suis jeune, j'ai une certaine conscience. Moi, le pays, ça, il n'y a pas qu'à arrêter Jean-Lier. Donc, il faut essayer de bataille. Pour nous tomber pour jouer à venir. Et même si je suis professeur d'université, je suis éducateur, je suis agent de développement. Ou au moins, c'est encadrer paysans, encadrer jeunes, faire développement.
Donc, j'ai commencé le premier projet de développement en 1972 en Haïti. Je bâti, je fais 22 ans dehors, je fais 10 ans en Afrique. Et puis, je continue en développement. Je me tourne depuis 20 ans, j'ai encadré paysan, je vais en faculté, en université. Anciens jeunes, nous permettons l'opportunité pour aller de l'avant. Nous, c'est un moment pour nous remercier l'État haïtien qui fait que l'élection ça va le fait. Trois pouvoirs harmonisés pour une vue, qu'on y a élection à fait en 2015. Et nous féliciter KEPA pour nous voir que KEPA, jusqu'à présent, nous satisfait de qui j'ai un processus à avancer. Et puis nous souhaiter que le candidat a venu en bagaille pour et bâti pour construire le bonheur peuple haïtien. Cette fois-ci, on est parti pour de bon. Donc, et on dit jamais deux sans trois. Donc, on a d'abord une vision de 25 ans, un programme de 5 ans et des projets qui alimentent ces programmes, un plan des 100 premiers jours de notre gouvernement. Bon, les principales priorités, vous savez, il y a la question de la vie chère, il y a la question de la souveraineté du pays. Il y a la question, disons, diplomatique, surtout avec un élément assez brûlant, c'est la question de la Dominicanie, de nos frères en Dominicanie. Il y a également le dossier de la production nationale. Il y a aussi l'unité qui doit se faire entre les fils de ce pays pour essayer de colmater les brèches, eh bien, qui a été créé pendant 212 ans et qu'il faut combler ce vide. Donc ce sont parmi les grands dossiers, les dossiers que Canara entend poursuivre. Donc fort heureusement, nous avons un mandarin avec nous cette année qui va tracer la route et nous permettre d'aboutir à coup sûr. Je remercie le peuple haïtien, le peuple Lavalasla, qui est sorti depuis Cité Soleil, La Saline, Grand Ravine, Cafou, et tout partout dans Port-au-Prince, dans Delma, dans Pétionville, dans Jalousie. Et c'est avec Simblé et Cité Yon qui accompagne aujourd'hui dans le CEP pour m'inscrire. Aujourd'hui, je m'inscris pour nous-mêmes, pour nous tous qui avons grand goût, pour nous tous qui avons chômage. Nous-mêmes qui n'avons pas de caille, femmes qui perdent l'espoir, nous-mêmes qui n'avons pas voyer petite nous l'école, c'est pour nous venir inscrire aujourd'hui. Nous venons inscrire pour les paysans aujourd'hui qui n'ont pas joué dans le grain, avec de l'eau, pour les terres, pour qu'ils jouent dans la mangeaille. Nous venons inscrire tout pour tous les haïtiens qui vivent dans le monde, côté qui n'ont pas de l'eau ni l'électricité. Nous venons inscrire tout pour tout le monde qui t'a aimé. On la vit meilleure demain. Pour tout le monde qui croit dans l'idéal 16 décembre, je viens inscrire pour tout le monde qui ne veut pas vivre en bas table, qui t'a aimé vivre en bas table. La valasse la descend aujourd'hui, elle pourra continuer à descendre jusqu'à ce que nous arrivions dans le palais national. Pour aujourd'hui, dans Bête de l'Ouest 1, nous avons enregistré 13 ans et candidats qui sont inscrits. Et parmi 13 candidats, nous sommes capables de citer un candidat indépendant qui est Marie-André Sol, Maître René Julien Adéba, Chavanne Jeune, Chavanne Jean-Baptiste, et Marise Narcisse de Famille Lavalas, Gagné Samuel Matistin Mopod, Gagné Villers Cluny, Mexepa, Gagné Michel Justice, Michel André Justice, Georges, etc. C'est ensemble de candidats à Onougain qui fait dépôt de candidature dans Bête de l'Ouest 1 pour journée Joudia. De date en processus a commencé à journée Joudia, nous gagnons 24 ans. Candidat qui fait des paupières sur dans Bête de l'Ouest 1. Thierry Maya Paul. Thierry Maya Paul est inscrit
en bas parti politique qui est un DA, lui-même l'y inscrit. Non, moi pas une idée sur quantité de monde qui est inscrit en ligne. Et ou pas de qui candidat qui est venu inscrit, qui a difficulté pour te inscrire? Bon, c'est un dernier candidat qui est là, nous avons recevoir. Et malheureusement, nous n'avons pas capable d'inscrire parce que il y a un problème de certificat du greffe du tribunal de première instance. Et que nous avons dit pour la faire le plus vite que possible pour demain, si Dieu veut, pour être capable de venir inscrire. Ça fait un total de combien de 24 inscrits. En tout. En tout. Et Jodia. Jodia, nous avons enregistré 13 inscrits. Nous prêts pour être capable de recevoir quantité de monde qui t'a appelé venir inscrire pour demain si Dieu veut. Et d'ailleurs, nous là jusqu'à 11h59 du soir demain.